Et voilà, dans l'épisode suivant, le numéro 8. Alors, de nombreux soldats sont en poste dans cette région. Ouais, bof, pareil. Ouais. Bon, on va aller à Xiangyang. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Les magiciennes. Tiens, ce sera bien pour compléter un petit peu notre unité. On a un petit peu de tout comme ça. Œil des dieux, oui. Et ce sera tout. Revenez quand vous voulez. Revenez quand vous voulez. Zaozong. Zaozong, l'unité de Zaozong, je sais pas du tout qui est Zaozong. Tiens, Liu Xian, cette fois il est avec moi. Zaozong avec sous ses ordres Liu Zhang, Xu Shu et Liu Jin. Attendez. Ouais, il est là-bas, Zaozong. Donc d'abord je commencerai par aller au sud, puis après je remonterai vers le nord. C'est parti. Cette musique a du style quand même. Hein. Au niveau de la bande son, ils nous avaient offert des musiques pas mal du tout dans Dynasty Warriors 4. Je dis pas que celle du 3 était mauvaise, hein. Il y avait pas mal de bons titres, mais dans le 4, c'est vrai qu'ils nous avaient un petit peu scotché par rapport au 3. Et après, ben. De toute façon, après, ils nous ont toujours offert des thèmes mythiques dans tous les Dynasty Warriors 3. Et des musiques qui me sont restées depuis le début. Alors, Xu Shu, si je me trompe pas, c'est Xu Shu, c'est celui qui a présenté, qui a parlé de Zhu Geliang à Liu Bei. Liu Jin, ça c'est un fidèle officier de Kao Ren. Il s'est retrouvé coincé dans une embuscade. Embuscade de la part du loup, je crois. Hein. Ça devait sûrement être après Chibi, un truc dans le genre. Après, je suis pas sûr de moi à 100%, mais. Si vous êtes au courant de la chose précise, précisez-le dans les commentaires. J'ai aussi profité de ce voyage à pied assez long pour vous parler du fait que désormais j'ai un forum et je vous laisserai probablement le lien dans le descriptif. J'aurais peut-être déjà fait la pub sur les forums ou autres d'ici là, parce que en fait, si vous voulez, à l'heure actuelle où je tourne, le forum est encore en construction, mais d'ici que cette vidéo soit publiée, je suis quasiment certain qu'il sera opérationnel. Donc c'est pour ça. Après, impossible d'être sûr. Ah, il a Liu Chan sous ses ordres. Je retournerai pas là-bas pour ces deux petites merdes. Vous démerdez. Alors. Salut Liu Xian. Oh putain. Bah ouais, c'est quoi ces gens qui veulent me trahir à chaque fois que je passe devant eux? J'ai l'impression que dans le doute, au cas où je les trahirais, ils me trahissent avant. Ah non, hors de question. Laissez-moi partir. Bon, pire, hop, niveau impérial. Et je vais dégager tout ça avec un mezu hyper long. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Il n'y a plus d'autres officiers, normalement. Je sais pas si ce type avait un sous-officier. À vrai dire, tant pis, hein, s'il y en avait un. A noter que. Petit détail tout con. Dans Dynasty Warriors 4, c'est le premier Dynasty Warriors où on peut ramasser les objets, même en étant à cheval. On ne peut pas dans les précédents. C'est utile. Ça aurait dû être mis d'origine, je suis d'accord. Dirige le futur territoire Shu à la base.
et qui se le fait voler par Liu Bei, qui est de la même famille. Sorte de cousin éloigné ou je ne sais quoi. C'est pas précisément leur lien de parenté, hein. En tout cas, ils sont de la même famille. Daozong, alors là, je ne sais pas du tout qui c'est. C'est ça le truc quand quand on a des officiers aléatoires, des fois on tombe sur des trucs, des gens qu'on ne connaît absolument pas. Voilà. C'est fini. Une victoire de plus pour Tenko. Encore des objets de merde. Ah, voilà, mon arme vient de monter de niveau et comme vous pouvez le constater, elle a changé de forme également. Ce qui me permet d'augmenter la puissance de l'arme en elle-même, mais également le nombre d'attaques disponibles. Donc dans la prochaine bataille, vous pourrez voir, j'aurai un nouveau coup. J'utiliserai sûrement assez souvent d'ailleurs.